Sous sa forme actuelle, la tombe de chasse apparaît aux environs de 1680, à l'époque du roi Louis XIV. Elle marque en pierre, en diorme, les menus plaisirs du roi qui composa la première fanfare de chasse en 1723. On en dénombre maintenant plus de 3000. La trompe de chasse est un instrument spécifiquement français. Une de ses particularités est que les sonneurs, car on sonne de la trompe, font de dons au public. Vous n'y voyez aucune impolitesse. Les partitions de musique de mélodie s'appellent des fanfares. Principalement trois catégories. Les fanfares d'animaux, pour identifier l'animal bleu. Les fanfares de circonstance, pour situer l'animal sur le territoire, son action, ses ruses. Les fanfares de fantaisie, pour le plaisir d'entendre la trompe, la voix de la trompe. Ce sont quelques fanfares que les trompes de l'harmonie de Romilly vont nous interpréter ce soir. Nous sommes le matin. La trompe du réveil a déjà sorti les équipages du lit. Dès les premières lueurs du jour, à l'aube, à l'heure où le rossignol chanta, voici que retentit le point du jour. Merci public. Les équipages sont prêts, les chevaux piaffent et les chevaux et chiens aboient. Le piqueur a déjà fait le rapport. Il est temps de partir. Le signal est donné par un vigoureux. Départ pour la chasse. Maintenant un animal commun de nos contrées. Il est sûr de sa force et de son endurance. Gare aux chiens imprudents qui pourraient goûter de ses défaites. Le sanglier. Ah.
N'hésitez pas de nourrir de vos applaudissements ces joyeuses pompes. Dans la pièce suivante, vous pourrez remarquer différentes nuances que l'on retrouve dans les fanfares de fantaisie. D'abord, un couplet d'ensemble suivi d'un solo. Ensuite, un ragout, appelé ainsi par la douceur de la phrase musicale. Le dernier couplet est repris par l'ensemble des sonneurs, la dôme.